Installation de Zilia antivirus Android. Donc démo sur VirtualBox Android 7.1. Donc je vous rappelle, c'est Zilia antivirus Android, à ne pas confondre avec antivirus Zilia Windows. Donc c'est parti, on installe. Donc là, vous avez des notifications, voilà, suivant les antivirus, vous avez plus ou moins des petits messages, hein. C'est parti, c'est lancé, installation. Donc je vous rappelle que je suis quand même protégé par DRWeb sur cette machine virtuelle, cet Android. Voilà, vous pouvez voir le signe en haut à gauche là, c'est DRWeb qui protège quand même l'Android. Donc là, hop, c'est parti, on ouvre sans perdre de temps. Donc là, on a vu que on nous demande rien. Voilà, on a pu ouvrir sans avoir à remplir le mail, etc., qui agace un petit peu les gens. Voilà. Donc, est-ce que c'est l'interface générale? Je pense que oui. Hop, je vais recommencer à zéro. Voilà. Hop. Donc, hop, Zilia ici. On va ouvrir, voilà, c'est comme ça. Setting, ici, donc paramètres. Setting égale paramètres. Donc je vous laisse regarder, voilà. Il suffit de bouger les curseurs pour mettre sur on ou off, voilà. Autoriser ou ne pas autoriser. Le langage, est-ce que je peux changer? Ah bah oui, on peut changer. Merci Zilia. Enfin, enfin, un antivirus. Oui, ils se sont un peu cassés la tête afin de vendre. Parce que quand vous voyez des autres produits, il n'y a pas de langage. Ah bien, voilà quoi. Pas terrible du tout. Parce que tout le monde n'aime pas, ne parle pas anglais et n'ont pas forcément envie de côtoyer tout le temps le langage anglais. Personnellement, je trouve ça assez agaçant. Je suis en France, on est français. Mettez-moi du langage français. Sinon, moi, je n'achète pas. Comme ça, je ne passe pas par quatre chemins. Donc, réglage. Hop, on retourne ici. Voilà. Collecte de données, machin. Bon, moi, je vais l'enlever parce que je n'ai pas envie. Donc, voilà, bah, les réglages, hein, c'est pas compliqué, hein. Voilà, il y a 1, 2, 3, 4. Voilà, tout au moins pour la version que je vous présente. À propos, renouveler, évaluer, optimisation, antivirus. Donc là, on est sur antivirus. Si je clique sur optimisation, ça fait ça. Accélération, ça fait ça. Alors, il n'y a pas beaucoup de réglages à propos de l'annexe. Ok. Renouveler, c'est quoi? Optimisation, c'est quoi? Bon, je vais essayer, on va voir. Je ne sais pas ce que c'est optimisation. Enfin, si, je sais ce que ça veut dire, mais ça optimise quoi? Là-dessus, gros effort à faire. Ok, le langage, on peut le mettre en français. Ça ne demande pas l'adresse mail, mais voilà, ça manque quand même de choses. Je ne sais pas s'il y a un pare-feu. Est-ce que c'est la version gratuite ou pas? J'en sais rien. Je ne sais même pas si ça s'est mis à jour. Déjà optimisé, ok, accélération. Démarrer. On ne sait toujours pas ce que ça accélère, mais bon. Bon, je vais arrêter, c'est pas le but de cette vidéo. Alors bon. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ça, balayer. Si je clique sur balayer, ok. Bon, ça c'est pour regarder s'il y a des virus éventuellement. Arrêtons, j'ai dit, oui. Bon, je vais échapper 2 secondes. Je vais relancer.
je ne sais pas si c'est la version gratuite ou quoi. Je n'en sais rien, j'ai téléchargé. Alors, je vais essayer deux. Non, même pas. Je sais même pas comment on met à jour. Alors, est-ce que moi j'ai la bonne version? J'en sais rien. Parce que là, il me dit que Zilia Internet Security, ok. Alors désolé, hein, ma machine virtuelle Android, elle n'est pas violente. Et des fois, elle me casse les bonbons. Bon, j'ai plus vite fait d'ouvrir un autre onglet, parce que là... Alors j'ai l'impression qu'il y a plusieurs versions. Parce que là, Zilia Mobile Antivirus Free, ok, je suis sur zilia.com, voilà, si je rentre dedans maintenant, qu'est-ce qu'il me propose là? Non, je ne veux pas traduire, de toute façon la traduction, ça ne fonctionne pas. Alors arrête de m'agacer et casse-toi. Zilia Mobile Antivirus, d'accord, bon, c'est gratuit, c'est pas gratuit, on ne sait pas. Apparemment, ça ressemble, vous voyez l'image là, ça ressemble à ce que j'ai. Bon, allez hop, je vais échapper. Bon, bah verdict, hein, voilà, je vais pas passer par quatre chemins. Je désinstalle pour moi. Bof. Très moyen. Voilà. On va dire très moyen. On ne sait pas. Je ne sais pas si ça met à jour. Donc pour moi, voilà. Je vais plutôt classer cette application dans les non recommandés. Voilà. Comme ça, je ne vais pas perdre de temps. Allez hop. Bye bye Zilia. On ne sait pas si ça se met à jour. On ne sait pas. Et voilà. Ben, comme on ne sait pas, eh bien au revoir. Allez hop, à la suivante. Donc là, on vient de voir Zilia. Allez hop, bye bye à tout jamais Zilia. Voilà. D'autant plus que il n'y a absolument rien dans les paramètres. Allez hop, maintenant, on va enchaîner sur MC Soft. Et hop, c'est parti, on installe MC Soft Mobile Security, Android. Hop, c'est installé. On ouvre. En espérant que ça fonctionne. Bon, là, hop, on met j'accepte. Continuer. Qu'est-ce qu'il va me dire encore? Logging, machin. J'en ai rien à foutre de ton logging. Bon. S'il veut commencer par avoir mon adresse mail, eh ben c'est mal barré. Mon verdict, ça va être nul. Voilà. Et même à chier, je rajoute personnellement. Voilà, là, il me demande login, machin, etc. Voilà, il me demande login, voilà, de m'enregistrer sur Google, etc. Bon, allez hop. 0. 0 sur 20. Vous avez vu MC Soft, 0 sur 20. Voilà. Moi, les applications qui me demandent sans arrêt mon mail, ceci, cela, alors que les autres ne demandent rien du tout. Voilà, il faut quand même laisser le temps aux gens d'essayer avant de dire je veux ton email, je veux ceci, je veux cela. Pour moi, zéro. Voilà. Allez hop, au revoir MC Soft. Dégage. Dégage rapidement. Voilà. Hop. À qui le tour maintenant? À Vipre. On va essayer Vipre.
C'est parti, on installe Vipre. Enfin, tout au moins, j'installe Vipre. Ah, toi aussi tu veux sans arrêt des choses. Bon. Apparemment. Bon, apparemment, il veut aussi là un enregistrement, adresse email, etc. Bon. Eh bien, voilà. Pareil, 0 sur 20. Et puis, va bien, coucou chez Altaniche, Vipre. Voilà. Tu seras jamais dans mon smartphone, ça c'est sûr et certain. Donc, vous avez vu ce que vous avez vu. Désolé. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde comment je fais, mais. Voilà, faut arrêter quand même des fois de prendre les gens pour des cons. Hein? Si on n'a même pas le droit d'essayer 15 jours ou 30 jours, tout de suite, on veut l'adresse mail, je veux ceci, je veux cela, pour balancer de la pub à gogoze, eh bien non merci. Voilà. Donc pour moi, je les classe parmi les non recommandés. Donc vous avez vu ce que vous avez vu, et voilà. Tutoriel Endgame 972.